Moi, pour montrer ça, comment on cuit l'adobe gros pois sans de l'huile, qui est bien comment on vient, c'est une jolie la sauce, et pour la sauce comment elle était, et qu'on met sous là-dedans. Check sa technique là. Bon, pour l'adobe gros pois, je vais vous dire prendre votre gros pois, finir de mettre trempé pendant un temps, des temps, pendant plus de mettre trempé, et comment on vient, il y a un camné, vous prenez de nous là, vous vous trempez, ça appelle un process de biologie, on appelle ça osmosis. Et là, je vais vous servir pomme d'amour, sous. Et carottes, trois carottes, des sous-sous. Premier step, vous êtes fini, prends votre sous-sous, fini couplé comme ça là, nous pouvons mettre le tempo. Avant ce qu'il nous faire, nous soufflez ça gros poids là avant. Un petit peu d'eau que tout gros poids fini couvert. Vous êtes là, vous pouvez cuire au monde là, carrément l'eau base. Gaz là, faut pendant 3 minutes, là nous baissons, nous faisons une petite gifée. 3 minutes, vous baissez votre gaz, vous mettez comme ça, vous restez soufflé. Nous restez soufflé 4 coups. Fini, coupe votre carotte et votre pomme d'amour. Mon inex. Mettez un piment là-dedans, crasé. Gatida, mon épice fini crasé. Laissez souffler 5 coups souffler. On dit le tempo de ce système-là. Nous réformons un petit réfroidi comme ça pour le tirer vite. Gatida, là, mon gros poids fini cuit. Gros poids, mettre dans un autre récipient. Dès le là, nous allons vous servir. Alors, dès le là, mettez dans un seul, arroser ensemble. On a potassium beaucoup là-dedans. Nous carré un peu de l'huile. Mettez un petit larni là-dedans, laissez roussir. Correct là, zéto, chose là-dedans, des épices, je vais mettre l'arnier pour tirer gaz, je vais pas, bien, reste ça, épices ça bien cuit là, il devient bien rouge. Les épices briani avec un petit peu de ça, cannelle en poudre, mettre là-dedans, laissez roussir. Pour accélérer le cuisson, je vais mettre 2 cuillères de sel, 2 petits pincettes comme ça. Hein. De mettre du sel, de le guetter comme un hypopo. Là, mon épice est presque fini correct. Je vais vous trouver, je vais faire un petit peu de noir en bas. Après, je vais mettre du sous-sous. Je vais mettre un petit peu de l'eau. Voilà, je vais remplir le sous-sous là. Et aujourd'hui, on a un zélé qui peut apprendre à cuire avec moi. Il a déjà essayé. On a un zélé pour venir apprendre tout là. On était à apprendre. Évidemment, il va commencer la vie. Alors, il va comprendre comment il s'en va faire. Allez, là, comment j'ai fini de mettre ça comme ça là. Et puis, à ce temps, nous pouvons mettre de l'eau là. Mettre de l'eau. Vous avez besoin de mettre de l'eau pour couvrir tout sous-sous. Allez, là. Tout sous-sous, fini d'être couvert. Et là, je vais mettre votre gros poids là-dedans. Très bien. Et là, vous avez besoin de remettre encore une pincette de sel pour qu'il sous-sous là et gros poids là, grâce à du sel là. Et là, vous mettez un petit pincette encore là-dedans. Là, il peut exact de celle-là parce qu'il peut cuire un tempo. Là, nous fermons le tempo, nous restons soufflé 4 coups. Avant de me fermer, je suis content de mettre un peu d'oignon. Moi, ça, c'est optionnel. Et là, quand mes élèves ne sont pas contents de manger d'oignon, mais moi, je suis content de manger, je vais mettre là-haut, il y a plus bon. Dans l'oignon là pour travailler. Et là, couvrir, souffler 4 coups. Là, pour comme ça, là, pendant 1 minute, là, après 1 minute, après 1 minute, là, ça, vous avez baissé l'autre du fait. Mais là, vous savez ça, tu fais là, souffler 4 coups. Allez là, j'ai soufflé. C'est bien, comment on vient en dedans. Ça veut dire qu'il est bien rouge pour l'adobe. Dernier step, je prends un peu de cotomini avec 10 teintes, je mets là-dedans. Bien des coups, laisse ça bien infuser là-dedans. Et je vais bien checker si je sous-sous, si je sous-sous, si c'est bien cuit ou pas. C'est bien simple, mais je prends un avec, si je peux couper avec ce tempo, avec ce cold tool, ça veut dire quoi. Non, goûte-le. Est-ce que vous voulez vous retrouver vous tu peux dire est-ce qu'il va passer pas va passer il est bien bon bon gros poids bien cuit on a un aligne gros poids allez bon là nous en carême too many veg ouais goût là maribon et gros poids bien fun get bien bon faire gros poids là cuit 4 coups soufflés premier coup les là vous mettez au sous-sous là qui vient on verra. Parce qu'il y en a un gros poids à mettre trempé, pas bien mettre trempé. Les dire, si on met tous les deux sous-sous et gros poids couillé en même temps, là tu peux trouver tes sous-sous pour vite extra molle. Soit l'infini fun dans le carré là. Mais si vous faites la technique là, sous-sous, dès à 3 coups de soufflé, l'infini correct. Là tu peux mettre tes sous-sous carré-carré dans ton carré. Ça c'est un carré qui est fin cuit sans de l'huile. Tout mon camarade qui a un cholestérol faux, mon camarade qui a un stroke,
malade cardiaque, n'importe, d'autres capables de manger dans ce système-là. Tu vas servir gras pour cuire, c'est bien simple. Moi, j'espère que tu vas apprendre quelque chose, nous allons apprendre cuire. Qui plaque nous, qui follow nous, si tu as envie de cuire avec moi, moi, c'est petit Danish de Grand Gob.